Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne EDP Jackie. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la semaine 40 du Diamond Painting Squad Quiz. Alors cette semaine, en fait, c'est Mélanie qui a posé la question et c'était montrez-nous votre espace de travail. Alors, moi, c'est mon bureau qui se trouve en fait dans mon salon. Voilà, mon espace de travail, le v'là. Mon bureau, c'est un peu le bordel, hein, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc en fait, ça c'est mon salon. Voilà. Voilà. Hop, 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 on reconnaîtra un petit peu. Voilà, ça c'est mon salon et mon espace de travail. Donc en fait, c'est un bureau d'angle, hein, comme vous pouvez voir. Dessus, donc j'ai ma super lampe loupe parce que je vois que dalle et je suis obligée de travailler avec. Ma petite tasse ici qui m'avait été offerte par Sonia. Voilà. Donc j'ai un petit pot avec des stickers Outlander dessus, hein, comme par hasard. Voilà, donc là je suis en train de faire du point de croix, donc c'est mon ouvrage en ce moment. Mon fauteuil, regardez un peu le bordel en dessous avec les câbles et tout, mais bon c'est pas grave, on s'en fout, la poubelle. Mon fauteuil avec les diamants qui sont incrustés dedans, qui partent pas. Alors ça, j'appelle ça un Michel, oui voilà, ça là je vous le montre. C'est mon Michel, donc c'est pour mettre mon téléphone pour faire les vidéos. Donc ma tablette lumineuse, ma tablette où je regarde les séries, etc. etc. Et là, c'est mon coin bordel. Alors quand je dis bordel, je ne sais pas comment ranger ça en fait. Mais pot à crayon. Pot à crayon, pot à ciseaux, pot à tout ce que vous voulez, règle, machin. Et derrière, j'ai mes colles et mes vernis. Et en fait, j'ai acheté ça, mais parce qu'il y avait un cerf dessus. Voilà, ça prend de la place, mais bon, voilà, c'est comme ça, on s'en fout. Voilà. Washi tape, machin. Ça, c'est la future toile pour Pâques. Voilà, hop. Vous n'en verrez pas plus, hein. Donc c'est pour le 1er avril. Ça, la pauvre Minette, elle est toute seule. Voilà, ça c'était les Hobbits Véro qui m'avait fait cette magnifique saraké. Elle est là. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, mon imprimante, mon ordinateur portable qui est là. On ne voit pas trop parce qu'il y a tellement de bordel dessus qu'on ne sait même pas que c'est un PC portable. Avec dessus des stickers Outlander pour pas changer. Voilà. Alors, mes boîtes. Ça, c'est pour mon DP. De Oraloa que j'ai pas fini, donc voilà. Ça, c'est préparation de mes boîtes pour justement le DP de Pâques. Voilà, c'est ma mallette avec tous mes crayons feutres, enfin mes feutres, mes marqueurs. 135, 132 marqueurs dedans, elle est énorme. C'est dommage parce qu'en fait, je la mets sur ma boîte que ma fille m'a faite en pyrogravure. Alors, j'ouvre pas la boîte parce que vous allez tomber. Ensuite, moi j'ai un sacré bordel quand même. Hein. Là, avant, j'avais pas de petite caisse comme ça. Et du coup, je m'en suis acheté 4 pour ranger mon souk. Parce que j'ai un de ces bordels là-dedans. Mais bon, là-dedans, en fait, c'est tout ce qui sera pour les commandes. En fait, voilà. Toutes mes commandes. Là-dedans, il y a plein de trucs. C'est vraiment. Je suis très désordonnée. Là-dedans, j'ai pas mal de points de croix, etc. Là-dedans, je sens mes livres. Oh, pardon, je vous mets les doigts. C'est compliqué. Mes livres de colo. Hop, voilà, c'est plein. Alors, là-dedans. Décidément, vous voyez mes doigts tout le temps. Hein. C'est les cover minder, en fait, qui seront en préparation. Parce que la petite règle, là aussi, que je mets à vendre. Voilà, cover minder aussi en préparation. Là, c'est mon bordel. Là, c'est encore plus de bordel. Voilà. Ici, ce sont mes boîtes avec les bijoux qui sont faits ou pas encore faits, mais presque faits. Voilà. Oups, que je m'en vante. Là. Alors, j'ai 4 pattes par terre. Hein, faut quand même savoir. Là, c'était une boîte que j'avais trouvée chez Action. Et donc, du coup, j'ai pas mal de souk dedans. Voilà. C'est mes trucs pour faire mes créations de bijoux, cover minder, tout ça. Mais surtout de bijoux. Hein, il y a des perles, il y a un peu de tout. Voilà. Ça, c'est mon tube où dedans il y a
La toile calendrier Gorgeous. Voilà. Ça, c'est une toile que j'ai en préparation. Oups, mais bon. Tous les diamants ont été préparés, tout est prêt, mais je ne l'ai pas encore faite. C'est ma grosse toile que j'avais reçue, que j'avais gagnée, pardon, sur un site, sur Instagram, pardon. Et mon adresse. Je vais cacher l'adresse. Je cherche juste en fait. Et mon adresse, vous avez vu l'adresse? Je ne sais plus. Je cacherai l'adresse. Alors là, j'ai un 5U, mais alors, je sais plus c'était quel. Si j'ai gagné ça. Attendez, je vous montre encore mon plan de travail et je cherche où j'ai gagné ça. C'est Diamond Painting Club, voilà. C'est un grand paysage. Ensuite, dans mon meuble. Alors, là, j'ai une partie des DP que je suis en train de faire. J'ai des bonbons. Et voilà, ça c'est le c'est Oraloa, ce que je suis en train de faire. Là en dessous c'est le DP fil rouge que je suis en train de faire. Et derrière en fait ce sont des boîtes de DP que j'ai en plus. Voilà, que je ferai plus tard. Voilà. Et bonbons encore. Voilà. Ça c'est une partie des DP que j'ai. Oups, ça, je m'en mets debout. Et les autres sont dans un autre meuble dans mon KGB. Donc voilà, c'était donc pour la semaine numéro 40 déjà du Diamond Painting Squad Quiz. Bah, j'espère que voilà, que mon petit coin de paradis vous aura plu. C'est vrai, c'est un bordel hyper organisé, mais c'est du bordel quand même. Ça, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est un bordel organisé parce que je sais où se trouve chaque chose. Voilà, donc pour moi, c'est un bordel organisé. Voilà, et ben je vous remercie beaucoup de me suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!